Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on met la musculation au service de sa vie. Quoi faire quand on commence la musculation à plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans? Le temps que tu cliques sur s'abonner, jingle! Let's go! Vous avez décidé de sauter le pas. Vous vous êtes inscrit dans une salle de sport et c'est super. Mais quand vous y êtes, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous testez un peu les machines au hasard sans trop savoir à quoi ça sert. Vous cherchez désespérément un coach pour vous montrer. Et puis finalement, vous restez avec des doutes de savoir si ce que vous faites ça sert à quelque chose et si vous le faites bien. J'avais expliqué dans ma toute première vidéo que fréquemment, j'allais aider ou corriger des gens en salle. Et donc que le but de cette chaîne, ça allait être de pouvoir aider un plus grand nombre de personnes. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour savoir quoi faire, mais surtout par la suite, je vais vous faire plein de tutoriels pour utiliser tout ce qui se trouve dans une salle. En premier lieu, ce que je peux conseiller, c'est si la salle comporte des coachs, évidemment d'aller les voir, de demander un programme, et ils vont vous montrer chaque exercice de ce programme. Généralement, ils ont des programmes tout faits, donc c'est assez rapide. S'il n'y en a pas, vous pouvez aller en salle avec un programme pour débutants que vous avez téléchargé sur le net. Vous pourrez trouver ça facilement, je pense. L'important, c'est que ce programme soit complet. Que vous y alliez 2 ou 5 fois par semaine, il faut travailler l'ensemble du corps. Sinon, vous allez créer des déséquilibres. Des déséquilibres visuels, évidemment, mais également structurels. En fait, vous allez renforcer des maillons de la chaîne et laisser les autres plus faibles. Et de mon côté, je vais également faire une série de vidéos où je présenterai les appareils un à un et j'expliquerai à quoi ils servent. Quels muscles vous travaillez et comment vous en servir sans vous créer de problèmes de santé. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo c'est une vidéo introductive de tout ce qui va arriver. C'est tout pour cette vidéo, si tu as une question c'est sous la vidéo que ça se passe. Tu trouveras également des liens, tout est gratuit pour un programme permettant de travailler les dorsaux si tu as des soucis au niveau des lombaires et une formation complète aussi sur le meilleur complément de la musculation, la créatine. A bientôt les amis, devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.